Il aime pas les musulmans, Le Pen. Il aime pas les migrants, Le Pen. Il fait pas le ramadan, Le Pen. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Vous m'avez pris pour Jackie du Club Dorothée, n'est-ce pas? Eh bien non, mettez le vieux générique comme en 40, schnell! Bonjour à tous mes petits farfadets nationaux et bienvenue dans Jean-Marie Le Pen Gaming, l'émission de gaming des vrais français, n'est-ce pas? Comment? C'est ça Minecraft? Mais où est le Troisième Reich? Où sont les nazis? Et il est où Goebbels? C'est un complot jeu vidéo maçonnique! Remboursé! Passeport biteux! J'ai toujours rêvé de dire ça dans ma vie. Alors, qui es-tu toi mon petit bonhomme? Wagner Hans? On va être amis toi et moi. Voilà, tu es bienvenu dans ton pays, Wagner Hans. Nous allons jouer à un jeu bien plaisant, n'est-ce pas ? À savoir un jeu de drapeaux, où il faut nommer les pays selon les drapeaux que l'on reconnaît. Du coup, nous allons nous lancer, alors. Quels sont ces pays ? Ah oui, je reconnais très bien ce pays, n'est-ce pas ? C'est ni plus ni moins que la Bougnoulie, n'est-ce pas ? Mais pas la Bougnoulie, excusez-moi, je perds un peu la tête, semble-t-il. Voyez-vous, force est de constater que cette représentation vidéoludique des quartiers défavorisés du 80 OT est plus que réaliste, hein, sur le Coran de la Mecque. Je pense en l'occurrence à des villes comme Sevran, 2702 euros poteau, ou Rosny-sous-Bois, n'est-ce pas? Bon, il y a moins de femmes voilées dans les rues, mais la ressemblance est frappante de réalisme. Voilà et bilaï. Ah, bien content de pouvoir enfin mettre la main sur Dragon Ball xénophobe. Je vais pouvoir créer mon avatar en race saïenne, race supérieure s'il en est, n'est-ce pas? Voilà, on va pouvoir jouer, j'ai fait un personnage assez ressemblant, n'est-ce pas? Peut-être manque-t-il les lunettes. Voilà, ça devrait charger, n'est-ce pas? Ah, excusez-moi, mais c'est long! Je veux jouer à Dragon Ball xénophobe, je veux jouer avec Eric Zemmour, je veux jouer avec Michel Houellebecq! Voilà et bilaï! Ah, mais remboursez-moi, ce bande de sales asiatico-japonais! Josefina Palfre... Ah, vous êtes une femme, vous êtes un homme? Remarquez, avec le mariage pour tous et la théorie du genre, on ne sait plus qui est qui, n'est-ce pas? Vu que je ne sais pas vraiment quel est votre sexe d'origine, votre genre, ou si vous êtes hétéro ou quoi tout ça... Voilà, au revoir, vous ne venez pas, rentrez chez vous! Rentrez dans le marais, lol! Ah donc, c'était véritablement une femme, mais écoutez, on ne sait plus désormais! Alors... nous allons commencer avec la bactérie, la difficulté normale, je ne suis pas encore un PGM, hein. je ne suis qu'un Jean-Marie Le Pen, n'est-ce pas? Je vais nommer mon épidémie, n'est-ce pas, l'islamo-fasciste, c'est cher à Manuel Valls. Au début, il faut choisir un pays souche. Écoutez, nous allons commencer en Égypte, n'est-ce pas? Voilà, l'islamo-fascisme commence dans la région Égypte, hein. Ça vous rappelle les révolutions arabes. Ça, c'est la Maghrébie, n'est-ce pas? Je reconnais le drapeau de la Maghrébie. Alors, je ne sais jamais où se place le H, hein, n'est-ce pas? Maghrébie... Alors, ce n'est pas ça non plus. Je me sens assez vexé. Alors... Mais qui sont-ils, ces petits garnements? Tiens, mais c'est Dieudonné Mbalambala. Et lui, mais c'est Alain Soral. En tout cas, je ne sais pas si ces deux-là font le jeu du Front National, mais en tout cas, ils sont dans le jeu Metal Gear Solid, n'est-ce pas? Comme dirait Caris, vous avez trop travaillé durant l'esclavage, je te raccompagne en Afrique à la nage. Sarah Azledine, excuse-moi, mais c'est un nom qui ne me semble pas très très halal tout ça. C'est pas halal tout ça. C'est fermé, c'est ouvert. Si on pouvait ouvrir et fermer les frontières de la France aussi facilement, n'est-ce pas, je serais très heureux. Hashtag Marine 2017. Écoute, ma petite Sarah, rentre chez toi, dans le plus grand des calmes. Voilà, voilà et bilaï. Voilà, donc vous voyez le visage de l'islamo-fascisme, une espèce de petit caca, hein, une espèce de petit étron de nouveau-né, n'est-ce pas? Mais qui, vous verrez, fera beaucoup de dégâts. C'est ce que j'espère, en tout cas. Voilà. Ah, ça je les reconnais, c'est des Nyakwe, n'est-ce pas? C'est la Nyakuzi. C'est un complot, n'est-ce pas? Ça m'étonne que je ne puisse pas les reconnaître de moi-même. Alors, selon mes objectifs de mission, n'est-ce pas, je serais censé éliminer Alain Soral et Dieudonné, que vous avez vu tout à l'heure, mais du coup, je préfère changer un peu mes plans, n'est-ce pas? Pour l'instant, je vais cacher Alain Soral dans cette petite camionnette. Voilà. Je rentre dans cette petite Jeep, et maintenant je fais des dérapages. Regardez-moi, je suis Jean-Marie Le Pen et je dérape. Norage de mes dérapages, n'est-ce pas, lol? C'est pas pour dire, n'est-ce pas, mais je pense qu'on irait plus vite en train. Bonjour à tous, mes petits farfadets nationaux.
et bienvenue dans Jean-Marie Le Pen Gaming. Vous aurez remarqué, n'est-ce pas, que dans ma vie familiale, je me suis fait bolosser tel un Ghanéen qui arrive à l'heure de fermeture du KFC, n'est-ce pas? Et je pense que la story est une true story de ouf, n'est-ce pas? Oui, alors ça, c'est le drapeau de la Musulmanie, voilà, n'est-ce pas? C'est la Musulmanie. Je connais quand même quels sont les noms des pays, n'est-ce pas? Ah, Streets of Rage, les rues de la rage, il semblerait, n'est-ce pas? Bon, je m'en vais choisir mon personnage, je pense que le jeune blond aux yeux bleus me sied parfaitement. Encore que moi, je serais plutôt celui qu'on appellerait le blond à l'œil bleu, n'est-ce pas? C'est donc sur une musique passablement homosexualisante, n'est-ce pas, que je me bats contre des rouquins. Je vais vous faire courir, moi. Bande de rouquins, va. Ah non, mais là, je me fais bolosser à moult reprises. Il me faut de l'aide. Jeanne, au secours. Comme disait mon grand-oncle en Indochine, le napalm, ça calme. LOL. Alors, il fallait s'y attendre, n'est-ce pas? À force de faire le zigoto, je me suis fait repérer par l'équipe ennemie, mais ce n'est pas grave, je prends ça avec la plus grande désinvolture que l'on me connaît, puisque je vais écraser ce jeune arabo-musulman qui se jette sur mon passage, n'est-ce pas? Ça t'apprendra, n'est-ce pas, à pas manger de porc. C'est la noirade, la fameuse noirade, où il y a des noirs, n'est-ce pas, et autres... Resident Evil 5, les jaloux diront Somalie, les vrais diront Seine-Saint-Denis. Voilà, calmez-vous les indigènes, je ne suis pas comestible, ma chair n'est pas halal. Voilà, laissez-moi partir maintenant, merci bien, salam alaikum. Du coup, Alain Soral, je le garde en France et Dieudonné, je le renvoie dans son pays. Voilà, il est là, allez. Oh ben tu vas t'endormir, oui ou merde. Voilà, fais dodo, fais Dieudo mon petit frère. Taille un petit sprint, comme du temps de ma jeunesse. Allez, j'arrive, allez. Lui, on le ramène dans son pays. Moi, je vais retrouver Alain Soral. Je vais m'enfuir, au nez à la barbe de mes ennemis. Encore que la barbe ne soit pas tellement le genre de la maison, n'est-ce pas? C'est plutôt l'inverse. Allez, salam alaikum. Écoutez, il suffit de voir le rang avec lequel je termine cette mission pour vous bien vous prouver que je suis un véritable PGM à ce jeu, n'est-ce pas? Ah, la France, le grand pays, la France, n'est-ce pas? Frankreich, même, je vais écrire. Mais que vois-je au loin? Le cadavre de la mère de Bambi? Mais quelle bande de sagouins! Je savais que c'était leur faute! Je savais que c'était la faute aux émigrés! Ça, ils le disent pas dans Disney! Ils ne l'oseront jamais le dire! La maman de Bambi, never forget! Ah ça je me souviens bien, je connais ce pays, ça c'est l'Algérie, n'est-ce pas? J'ai effectué d'assez nombreuses tortures pour me souvenir de son espèce de drapeau, n'est-ce pas? Ah, Perpecto, quel est ce jeu bizarre auquel je joue? Excusez-moi, mais Perpecto, ce n'est pas très halal tout ça. Quoi, c'est ça l'Oculus Reich? Mais faut deux yeux pour que ça fonctionne. Me dites pas que j'ai mis de l'argent dans cette merde. Je vais vous kickstarter le cul, moi, vous allez voir. Ah, c'est ça, HoloLens. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais en tout cas, ça a l'air de coûter un bras. J'espère surtout que ce sera HoloCost. Mais quoi, un procès pour apologie du nazisme? Mais je dis juste que j'espère que cela ne coûtera pas cher. Oh, mais vous voyez le mal partout, bande de misquets. Ah, il semble que j'ai été spoté par les haters. Et que cette bande de jeunes FDP viennent de me réclamer l'argent des abonnés. Vous n'aurez jamais l'argent des abonnés. Vous n'aurez jamais. Passez-moi sur le corps s'il le faut, mais je ne vous donnerai jamais l'argent des abonnés de Jean-Marie Le Pen Gaming. Allez, venez. Je vais essayer d'en trouver un dernier, ça il me semble, si jamais ma mémoire ne m'abuse, qu'il s'agit de la bamboulie, n'est-ce pas, où il y a tous les bamboulas et autres personnes... Non, ce n'est pas ça. Cette espèce de perpecto qu'il m'a marqué tout à l'heure, je ne trouve pas très catholique, ni même cachère. Ce n'est pas hyper cachère, ce jeu. Excusez-moi, je fais un peu d'humour, on peut quand même se le permettre. Il s'agit effectivement... de The Elder Scrolls Skyrim, Benzema, de son nom de famille, une espèce de jeu en monde ouvert, n'est-ce pas? Nous allons bien voir de quoi il se retourne. Le jeu commence donc avec la création de notre avatar, n'est-ce pas? Et voilà donc la chose la plus ressemblante que j'ai pu faire. Les jaloux diront Botox, les vrais diront la boxe. Lâche-moi, sale albinos! Elle t'a un peu pâle, va te maquiller avec des vidéos d'Enjoy Phoenix et ne fais plus chier! Mais lâchez-moi, monsieur du Ku Klux Klan!
Ne me faites pas de mal, vous savez, mais je suis Jean-Marie Le Pen, je suis un ami. Laissez-moi tranquille. Non mais... Ah, bah merde alors. Bon, écoutez, je pense que la partie est finie pour moi. Écoutez, mes petits farfelets, durant toute ma vie de soldat et après d'avocat, je ne me suis jamais rendu qu'à l'évidence. Je ne peux que me constater que je ne connais pas les pays de la zone euro, à cause du traité de Maastricht, n'est-ce pas ? Découvrez la toute nouvelle Jean-Marie Box. C'est comme une box normale, mais sans les chaînes arabes et les chaînes africaines. Et tous les soirs, une diffusion de Jeanne d'Arc par Luc Besson. La Jean-Marie Box, le point de détail qui change votre vie. Torture Ninja, Torture Ninja, Torture Ninja, Torture Ninja, Torture Ninja, Torture Ninja, le cri de Jean-Marie, c'est n'est-ce pas ? Bon, écoutez, je sais que je dois séduire une audience jeune, donc je vais faire un diminutif de mon nom, Jean-Ma. Ça passe bien, Jean-Ma. Jean-Ma, un demi, moitié raciste, moitié nazi. C'est marrant, n'est-ce pas ? Dans mes cauchemars les plus atroces, c'est comme cela que j'imagine mon décès, n'est-ce pas ? En train de me faire bolosser par des immigrés qui sont jaloux de mon swag naturel. I'm racist and I know it. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Yo ! Quand je suis à Saint-Cloud, les Roumains, je leur donne des coups. Quand je suis en PACA, je leur roule dessus avec ma Ford K. Quand je passe au Languedoc, je me débarrasse de tous les Chintocs. Et quand je suis sur ville juif, je fais rien. Excusez-moi. Alors, il est pas beau comme ça, tonton Jean-Marie, en fox en jean ? Ah, je me trouve particulièrement magnifique, modélisé en 3D, n'est-ce pas ? C'est pas tout le monde qui peut en dire autant. 9 years ago, you were injured. Moi, blessé ? C'est plus Metal Gear solide, c'est Metal Gear fragile. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within. Il y a des corps étrangers en moi ? Il y a donc des Leonardas dans ma vésicule biliaire ? Quoi, vous m'avez amputé le bras gauche ? Mais c'était avec ce bras-là que j'écrivais ! Oh là là ! Ah ouf, il me reste encore ma main droite, je vais pouvoir faire des saluts nazis au KLM ! Mais je peux pas me balader avec un seul bras, il va me falloir une greffe. Quand on est handicapé dans un jeu vidéo japonais, on a droit à plein de bras bioniques plutôt cool, mais le plus important, c'est de mettre une montre. Il y en a un qui me coûte vachement cher chez ma facture EDF, il y en a un qui fait fulgure au point comme le dessin animé crypto-communiste Goldorak, il y en a un autre qui fait office de grappin, c'est pratique pour attraper la télécommande, lol. Et celui-ci, je l'ai acheté avec l'argent des abonnés parce que je quintuple pèse. Comme vous pouvez le voir, j'ai subi une greffe, n'est-ce pas ? Ah, enfin, ton action ! Désolé, ma petite, tu as beau ressembler à Marion Maréchal, ce que je vais te faire n'est pas très halal. Oh, comme tu as de beaux objets ! Je vais essayer d'ouvrir. Quoi, on peut rien faire à son cadavre ? Mais vous parlez du réalisme de ce jeu ? Moi, en Algérie, je... Oui, non. Non, je n'ai rien fait, non. Bonjour à tous les farfadets et les farfadettes, et bienvenue dans le front de l'affaire, n'est-ce pas ? L'émission qui vous révèle l'origine nationaliste et hitlérienne des héros de jeux vidéo. À l'origine, Mario devait s'appeler Benito, comme Benito Mussolini. Mais les tarlouses de chez Nintendo n'ont pas eu les couilles d'assumer. De même pour Sonic, à la base, il devait s'appeler Sionist The Hedgehog. Regardez toutes ces villes qui sont retombées dans le joug du socialo-socialisme. Voilà, alors vous, on vous a dit de faire barrage, vous avez fait barrage, n'est-ce pas ? Sur ma vie, j'ai juré, voilà, vous êtes des castors. Mais bon, avant d'aller reprendre la France aux gauchistes, il me faut d'abord faire quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Voilà, nique sa mère, la COP21 ! Dans ton cul, Nicolas Hulot ! Haha, va l'environnement, je lui mets un pyjama rayé, puis je l'envoie à Auschwitz ! Un moment, je me bats contre des enfants soldats, n'est-ce pas ? Alors, Kirikou, on n'est pas si vaillants ! Le dimanche à Bamako, c'est jour de bolossage. Ah oui, donc là, dans le plus grand des calmes, on crochette une porte, n'est-ce pas ? Ce jeu fait l'apologie du vol et de la flagornerie, n'est-ce pas ? Et c'est moi que l'on vient d'attaquer en justice. Bon, allez, ouvrons cette porte, malgré tout. Je vais m'en prendre à leur espèce de commissariat soviétique. Ah, à ce que je vois, ils ont sorti les calages comme à Marseille. Je suis équipé moi aussi. Prenez ça, bande de bolosses. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et ce que j'aime beaucoup à propos de ce jeu, c'est que l'on peut choisir une musique personnalisée pour l'arrivée des renforts en hélicoptère, n'est-ce pas ? Et croyez-moi, j'ai choisi mon camp.
C'est quoi ce monde sans aucune frontière? C'est ça votre Europe? Une espèce de monde ouvert avec la porte ouverte à tous les romanichels de la planète? C'est ça? C'est ça que vous voulez? Mais j'ai le seum! C'est un complot jeu vidéo maçonnique et Knuckle! Sodomie surprise! Bon, je me propose aussi de détruire les haut-parleurs de Radio France afin de plus entendre les inepties de Raffles et Lentoven sur France Inter. Voilà, on entendra moins sa grande gueule. Je suis la nuit. Je pète la gueule aux migrants à Calais. Je suis le héros dont cette ville a besoin, n'est-ce pas? Le jour, je suis Jean-Marie Le Wayne. Et le soir, je suis l'homme patriote. Je suis... Batman. J'espère que maintenant vous comprenez pourquoi je faisais de la boxe. Découvrez les messages de répondeur personnalisés de Jean-Marie Le Pen. Ah, désolé, je suis occupé, comme la France en 1942. Désolé, je ne peux pas vous répondre, je suis parti torturer des gens. Coucou, laissez votre point de détail après le bip sonore. Les messages de répondeur personnalisés de Jean-Marie Le Pen au 8-19-42. 8-19-42. C'est mieux de repousser dans un SMS. Je m'en prends au protège-couille de Dominique Strauss-Kahn. C'est vrai que depuis qu'il n'est plus au FMI, il n'a plus le temps de choper de la gauche. Le bolos. Mais c'est résistant cette saloperie, dites donc. Voilà. Bref, ce jeu, c'est Jeanne d'Arc contre les bolcheviques. On doit se battre contre des espèces d'espions russes ou je ne sais quoi. D'ailleurs, je m'en vais les bolosser avec des tirs de flèche en pleine face. Désolé, pas désolé, t'es dans la rubrique nécro. Pourquoi, n'est-ce pas, en cette période d'attentats incessants, j'ai préféré rester au bercail et jouer à une époque qui m'est très très chère, n'est-ce pas, encore plus que les années 40. Une époque où on avait inventé la roue, n'est-ce pas, mais on n'avait pas encore inventé les bougnoules, la préhistoire. Et c'est pourquoi je vais donc jouer à Far Cry Primal. Nom de Zeus, Marty, nous devons prendre la DeLorean pour retourner en 1940. Y'a pas à dire, n'est-ce pas? C'est vraiment mon film préféré. Mince, le réveil sonne, ça veut dire que mes petits farfadets s'impatientent. Encore de la propagande soviétique. Lol, c'est une affiche de campagne pour Mélenchon ou quoi? Oh, mais c'était pour rire, voyons. Oh. Chien Goebbels des cavernes est aussi très efficace. Alors quand il s'agit de niquer des mères, ce n'est jamais le dernier, mais pour se pousser du chemin, hein, il est toujours là. Allez, mais bouge de là, comme dirait Youssoufa. Allez, je suis obligé de te bolosser, mon pauvre Goebbels des cavernes, mais bouge de là. À croire que chez Ubisoft, ils ont donné aux animaux l'intelligence d'un manifestant de nuit debout, n'est-ce pas? Allez. Et vas-y, ma petite Jeanne, c'est la meilleure. Jeanne d'Arc, quoi que barre. Va niquer ta mère, Linux. Je me disais bien que c'était des ordinateurs de soviétique. Salam alaikum Lénine, ça te dirait que je te fasse des trous à la Lennon? Allez tiens, je vais aussi te faire la moustache d'Hitler. Mais c'est quoi ce jeu fini à la piste? C'est plus Lénine, c'est l'urine. Ah mais je peux même plus faire une blague sur le communisme sans me faire réprimander. C'est plus le front de gauche, c'est le KGB. Je n'ai jamais dérapé. Je n'ai jamais dérapé. Je n'ai jamais dérapé. Des points de détail sur mon cœur, je rends mes comptes au fureur. Dans le pire, je suis le meilleur. Mon œil te fait un doigt d'honneur. Je n'ai jamais dérapé. Clique ici pour t'abonner. Si tu veux pas t'abonner, eh bien t'as qu'à te faire enculer. Ah ben tiens, quand on parle du loup, le voilà qui rapplique. Qu'est-ce qu'il me veut encore ce zigoto? Oh, j'ai la flemme de répondre. Allez, allez, voyons voir ce qu'il a à nous dire. Allô? Allô, monsieur Le Pen, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah, salam alaikum, ça va, tranquille? Si, si, la famille, la baisse. Dis donc, monsieur Le Pen, j'ai entendu vos élucubrations dans votre vidéo. Vous avez pas honte de dire tout ça? Vous vous moquez de mon électorat, vous vous moquez des Français, monsieur Le Pen. Ah, mais on s'en fout de ça! Vous êtes profondément anti-fasciste. Ah, vous pourriez dire fasciste tout court, hein, ça va. Vous savez quoi, monsieur Le Pen, y en a marre de vos vidéos de gaming. Ouais, excusez-moi, mais jusqu'à preuve du contraire, personne n'a réclamé un Mélenchon Gaming 2, lol. Le peuple en a assez de votre racisme sous-jacent.
Mon racisme n'est pas sous-jacent. Vous savez quoi, monsieur Le Pen, je vais vous défier en duel. C'est comme ça que les hommes se battent. Écoutez, le monsieur le soviétique, je veux bien que vous me défiez en duel, mais je vois pas du tout à quoi est-ce qu'on pourrait jouer. Surtout que chez vous, c'est Tetris, le jeu en vogue, n'est-ce pas? Non, monsieur, vous savez à quoi on va jouer? On va jouer à Street Fighter V. Street Fighter V? Le gouvernement de Vladimir Poutine vous a octroyé une bourse d'études? LOL. Moi, je choisis Zangief. J'aurais parié que vous auriez pris ce bolchevique. Moi, vous savez quoi? Vu que vous jugez mon racisme sous-jacent, je vais prendre ce bon vieux Rachid. Je vais vous tartiner le fion, Mélenchon. Allez, en garde, monsieur Le Pen. Voilà, on va aller plus haut, comme Tina Arena. Pour aller plus haut... Ah, merde. Vous savez c'est quoi votre problème, monsieur Le Pen? C'est que vous prenez trop la confiance, monsieur. Allez, bim, dans votre face. Et pourquoi votre Zangief, il est devenu tout rose? Faudrait le prévenir, c'est pas encore le moment de la Gay Pride. Ah, ça, quand il s'agit de faire des jeux de mots homophobes ou des jeux de mots sur la Seconde Guerre mondiale, y'a du monde. Mais pour doser sur Street Fighter V, y'a plus personne, monsieur. Doser, pas doser, moi j'ai pas le temps de déso. Ah non, c'est l'inverse. Mais dites donc, c'est que vous me donnez du fil à retordre. Allez, venez, je vais vous la réduire en bouillie, votre petite tronche de fasciste. Voilà, j'ai juré, y'a le chétan dans ma manette, les coups que je veux sortir ne sortent pas, c'est pas très très halal tout le ça. Le chétan dans la manette, mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De toute façon, vous les fronts nationalistes, le problème il vient toujours des autres, c'est jamais vous le problème. Alors comme ça, le problème vient des autres, tenez, je vous en fous pas du problème, voilà. Prends ça dans ta face de soviétique. On l'entend moins ta grande gueule de bolcho. Vous savez ce qu'il vous dit le bolcho? Le bolcho il vous met ça dans la face, et puis il vous met ça dans la gueule, et puis il vous met ça dans la tronche le bolcho. Ah zut, écoutez, j'ai un petit problème, je ne vous entends plus. Je passe sous un tunnel. Voilà, désolé, pas désolé, j'ai plus de réseau. Le Pen, il aime pas les musulmans. Le Pen, il aime pas les migrants. Le Pen, il fait pas le ramadan. Le Pen, il est très très méchant. Le Pen, il joue à des jeux vidéo. Le Pen, et il dit des gros mots. Le Pen, il est pas très très gentil. Le Pen, c'est quasiment un nazi. Ah, j'oubliais, mes chers petits farfadets nationaux. Vous avez été nombreux la dernière fois à me demander de vrais messages de répondeurs, n'est-ce pas? Mais j'ai fait mieux que ça.